Bien bon bonsoir à tous et à tous, bienvenue pour cet après-midi, fin d'après-midi en live, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer de travailler sur la tour de lancement ici de la Saturn 5 et continue de monter tranquillement. La date de fin se rapproche puisqu'il faut qu'elle soit terminée pour vendredi, donc on va travailler dessus au moins aujourd'hui et demain et puis on verra si on a fini ou pas à ce moment-là. J'étais malade donc j'ai la voix un peu cassée, désolé pour ça. Mais bon, ça n'a pas empêché de construire, j'ai un peu récupéré, j'ai eu un gros rhume tout le week-end. Et puis voilà, maintenant ça me tombe évidemment sur les bronches. Et du coup c'est ma voix qui en pâtit un peu, mais ça va encore par rapport à quelques heures. Donc bon, désolé, je vais sans doute tousser un petit peu pendant cette session. Mais bref, allez, nous on va attaquer la construction, on perd pas de temps. On attaque avec l'habituel, les... truc sur les côtés. On en fait combien ? 4. Voilà. Idéalement, j'aimerais bien avoir fini demain. Peut-être un petit poil juste, mais bon, en pire des cas, après-demain, ce sera... fini puisqu'il faut que je parte dès vendredi matin, donc il faut absolument que ce soit fini avant. Un classique, hein. On l'a quand même fait pas mal de fois cette cette construction. Donc, et on en est à l'étape 840 sur 1100 et quelques. On pouvait atteindre l'étape 1000 à peu près aujourd'hui, ce serait pas mal. On verra combien de temps je vais faire, entre 3 et 4 heures, en fonction de l'état de fatigue. Alors... Non, mais c'est un... Hop là, voilà. Ok, alors... Pop-up qui est apparu sur mon écran. Mes deux dernières. Ah non, il en faut plus. Encore un étage. Et là, c'est... On va entrer dans un gobelet, ça, maintenant, je pense. Besoin d'avoir un des grands pots. C'est déjà un de moins. Mmh.
Donc bon, c'est que ça, on avance quand même correctement, je trouve. Next. Ah pardon, j'ai oublié de changer la caméra. Quatre derniers comme ça aussi. Et 6 par 3. Non, j'en ai un en rab. 4, hein? 4. Bon. Surtout, j'en ai pris un de trop, c'est possible. Mmh.
Ok. On continue. C'est les structures habituelles, hein. Tenez, force. Et je suppose qu'après on va faire l'escalier. Voilà. Être mis dans un petit gobelet maintenant. Bien, on commence à se séparer quand même de quelques gros gobelets. Thank you.
Ok, alors ensuite. Et un petit astronaute. Juste pour marquer l'échelle là. Ok, ensuite on fait les quatre autres. Ok, c'est un étage assez simple là qu'on est en train de faire au final. Avance assez vite. Là. Là. Ah, je vis un par quatre.
Ok, et on passe directement à l'étage au-dessus. Là, c'était vraiment un étage rapide qu'on a fait. À chaque fois ici. Hop là. Salut Jérôme, bienvenue, comment vas-tu? Voilà où on en est actuellement. À l'étage. On est en train de faire le 14e palier. Sur les 18. On se rapproche tranquillement de la fin. Désolé, j'ai la voix un peu cassée suite à mon rhume. Ça se termine, ouais. Bah, il est temps que ça se termine, du coup. J'avoue, je serais content que ce sera fini quand même. C'est un petit peu répétitif quand même, comme build. À part les parties où il y a des bras. Mais les paliers, c'est. Après, c'est normal, hein, mais c'est toujours les mêmes.
maintenant. D'acheter ça. Mais non, il y a une 1-3 qui vient là que j'ai pas mis. Une 1-3 en 2 qui me fait des pommes de fête. Jonathan ne sera pas des nôtres. Ok, et eh ben écoute, tu me diras ce qu'il faut que je prenne et combien j'en plus. J'ai amené la télé, la Nintendo et le Bowser à minima quoi. Alors, comment je mènerai le Satisfactory, le Horizon et le BD1 dans tout jeu vidéo en fait, et Sonic. Où je m'affiche, j'ai la place dans la voiture par contre. Michael amène 6 mètres de Star Wars, mais pour l'instant il repart le samedi soir, j'ai pas encore réussi. Waouh. C'est quoi cette expo? Ouais, moi j'amène tout mon jeu vidéo en plus quoi. Salut Elf, bienvenue, comment vas-tu? Mange pas. Ouais bah ok, pas de problème, j'aime ça. C'était deux qu'il en fallait par contre. Ouais, je prends un gobelet parce que là, j'ai plus assez. Proche de la fin, je commence à transférer des grands gobelets dans des petits. Un peu la course on dirait. Ouais, bah c'est, j'étais malade ce week-end. Comme tu peux l'entendre, ma voix c'est toujours pas ça. C'est pas ça. Mais il faut que j'avance absolument sur ça quoi. Je vais ramener le Noël et du Speed Champion pour le dimanche. J'aurai pas de problème, Jérôme. Après, voilà, j'aimerais bien réussir à finir demain, ça. J'ai fait ça pour chez Syndicat. Je suis mon propre patron. Moi, je voulais te faire ça, j'étais juste mal organisé au départ. C'est ça qui m'a mis dedans qui a fait que c'est en effet un peu la course sur la fin. Sens.
pour ça que je dis ça. Aïe, raté. Troisième, voilà. Mais bon, ça va. Là, ça sent que ça accélère quand même. L'étage, on l'a fait quand même super vite. Alors, en 40 minutes, je vais avoir fait un étage complet. Donc. Ça sent quand même qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a moins de choses à monter dans la tour. Je crois qu'on va avoir un gros bras à faire aujourd'hui. Et la prochaine fois, on aura la grosse grue du haut. Une fois qui sera sans doute demain. Ok, on place ça déjà. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell. Hop. Et maintenant ça, pourquoi il demande une licence d'un coup lui?